Bonjour, alors je voulais faire une petite vidéo. J'ai reçu ma commande chez Zoomalia qui est très grosse. Et donc je l'ai déjà ouvert et déballé certaines choses, mais je voulais quand même vous faire une vidéo sur le contenu. C'était bien emballé, hein, j'ai enlevé les papiers bulles et ce qu'il y avait autour. J'ai reçu pour mes cochons d'Inde et puis ils peuvent tous rentrer dedans. C'est un très grand sac en fait. Attendez. Un très grand sac pour cochons d'Inde. Bah au départ c'est pas pour cochons d'Inde, en fait je l'ai trouvé dans le rayon, dans la catégorie chat, c'est vraiment tout doux. Mais en fait tous mes cochons d'Inde ils peuvent rentrer dedans et comme souvent ils aiment bien être tous ensemble dans le même truc, j'ai racheté ça, c'est de la marque Trixie. Et je l'ai payé 16,99€. Ensuite, j'ai ma femelle cochon d'Inde Popcorn, comme vous le savez, qui est gestante. Donc je lui ai acheté toujours de chez Trixie. Ce sont des granulés vitaminés. Donc en fait c'est des vitamines mais sous forme de granulés. C'est pas mal pour les cochons d'Inde. Ça sent pas très bon, mais c'est très riche en vitamines. Et c'est en fait spécialement conçu pour les femelles cochons d'Inde gestantes en fait. Et je me souviens plus le prix. J'ai dû payer dans les 2€ quelque chose. Mais je vous mettrai le prix exact en barre d'infos. J'ai également acheté une pierre minérale 100% celle de d'Himalaya naturel. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le prix. J'ai reçu des petites friandises de chez Vitacraft, Veggie Knox. Il n'y a pas de graines en fait dedans. C'est une barre. Bah, c'est des petites barres en fait, je sais plus combien il y en a dedans. Mais donc voilà. J'ai également reçu, toujours de chez Trixie, ces deux jouets arrangés en... qui est tressé, c'est de la paille. Je trouve ça très joli et mes cochons d'Inde adorent jouer avec. J'ai acheté, ça s'appelle de la salade déshydratée qui est riche en cellulose. Donc voilà, c'est assez sympa. En fait, c'est comme du foin avec toutes des petites choses dedans. Alors le mien, c'est à la carotte, fruit de l'églantier, épissenlit, luzerne également. J'ai également reçu cette... En fait, c'est une sorte de friandise sous forme de pâte. Je l'ai acheté en multifruits parce que c'est le seul qu'il y avait. Alors attendez, je vais vous montrer. C'est comme ça. Et ça sent mais ultra bon. Ça sent presque les garnitures que vous avez dans la nourriture que vous achetez pour le goûter. J'ai pris deux fois de l'herbe à pousser spéciale lapin, cochon d'Inde, hamster. J'en ai pris deux, pardon. Parce que je pensais que 100, bah, je pense que 100 grammes c'est petit en fait pour mes 7 cochons d'Inde. Donc je vais pas les faire pousser en même temps. Mais voilà, je voulais tester, ça faisait un moment. Et comme mes cochons raffolent de l'herbe, j'ai également acheté de chez Amiform un gros ballot, bah un gros 20 litres de paille. Donc c'est une marque qui est vraiment top, qualité extra, sélection éleveur. Et vraiment cette marque là, elle est top. Et ça c'est quelque chose qui est à part, qui n'est pas pour mes cochons d'Inde, mais que je vais quand même vous montrer. C'est des friandises de chez Trixie, Dentafun, Dentromini, c'est à l'avocat et à la viande. C'est bon pour les dents. J'ai payé ça 1,20€ je crois, il y en a 10. Donc voilà, ça sent pareil, super bon, on les voit ici. Et donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai reçu. J'en ai eu pour un total de 45€, frais de port gratuit. Et donc voilà, je vous ferai une petite vidéo comme d'habitude sur quand ils testent les produits en fait. Et donc voilà, cette vidéo est finie et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Bye!